Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une semaine ensemble, une semaine créative. Bienvenue sur cette chaîne ou sur cette vidéo, re-bienvenue. Je n'arrive pas vraiment à me rendre compte s'il y a des nouvelles personnes par ici parce que je vous l'ai déjà expliqué, mais j'ai beaucoup d'abonnés sur ma chaîne YouTube qui a 10 ans. Mais c'est beaucoup d'abonnés fantômes en fait, j'ai jamais vraiment compris comment ça avait fonctionné. C'est juste que j'ai de très très vieilles vidéos qui ont cartonné, je sais pas vraiment pourquoi, parce qu'en plus je trouve qu'elles sont vraiment pas terribles, mais j'en ai deux ou trois qui ont fait plusieurs millions de vues, et les gens se sont sans doute abonnés à la suite de ça. Ce sont des vidéos qui circulent toujours, et donc les gens continuent à s'abonner. Ce sont des vidéos qui parlent de soins des cheveux au naturel, et les gens ne regardent pas les vidéos, en fait je ne comprends pas pourquoi les gens s'abonnent, donc en fait je n'arrive pas du tout à prendre conscience si y a des nouveaux sur ces vidéos de tricot ou pas. Mais que vous soyez nouveau ou ancien, je vous souhaite la bienvenue. J'ai à peu près toujours le même nombre de vues sur mes vidéos, donc je suppose qu'il y a toujours à peu près les mêmes personnes qui viennent me voir, et c'est très cool, merci d'être fidèle. Puis le choix sur YouTube maintenant commence à être tellement grand que je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien, et c'est normal qu'il y ait des spectateurs pour tout le monde, et on ne peut malheureusement pas tous tout regarder. Donc nous sommes dimanche, combien, 27 par là. On était vendredi 25, non? Ou on est déjà le 28? Oh là là, déjà le 28. Dimanche 28 janvier. Je viens avec un soleil approximatif, mais je m'y suis pris pas trop tard. Franchement, j'avoue, j'avais la flemme, j'étais sur mon canapé. Là. Oh, allez, lance ta vidéo. Oui, vas-y, lance ta vidéo. Donc c'est parti, je vous prends de manière un peu aléatoire, hein. Des fois ça commence le vendredi, des fois ça commence le samedi, des fois ça commence le dimanche, des fois je viens deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois dans la semaine, on verra bien, c'est en fonction de mes envies, en fonction de ce qu'il se passe dans mon quotidien et en fonction de mes avancées tricotesques et crochetesques quand il y en a. Alors, je suis coiffée n'importe comment, ça me perturbe en fait, ça là, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je suis venue vous voir? Mon petit bol de pioche n'a pas bougé, je n'ai rien pioché puisque je vous attendais. J'ai décidé de ne pas remettre le papier de mon test knit du pull Jean-Hugues pour Aurélie Lapoule dans ma pioche, parce que les tests en soi ça ne me stresse pas. Juste avoir le test dans la pioche, ça me stresse parce que j'aime avoir un contrôle sur l'avancée du test. Les autres trucs, on m'en fiche s'ils n'avancent pas, ce sont mes projets perso, peu importe. Mais pour le test, j'aime voir où ça en est, voir que je suis dans les clous. Voir... Donc j'ai décidé de le laisser en projet à côté, qui avancera un petit peu comme ça au fur et à mesure, et qu'il ne fera pas j'ai décidé qu'il ne fera pas partie de la pioche, parce que sinon, voilà, ça va me stresser et c'est pas le but. Dans la pioche, il n'y aura que des projets personnels. Dont je me fiche complètement de la deadline, voilà. Donc pour commencer par vous parler du test, c'est le pull Jean-Hugues que je fais pour Aurélie Lapoule dans cette laine de Bergère de France, la douce laine en coloris Rosalie que je trouve extrêmement douce, elle porte bien son nom. C'est un pull qui se tricote de bas en haut, épaule tombante, avec tout un panneau de texture dentelle sur le devant et de la texture assez simple, mais de la texture dans tout le reste du pull, le dos et les manches. Alors avant de vous montrer, j'ai encore eu la question, est-ce que c'est un projet débutant compatible? Ça va dépendre de plusieurs choses. Alors moi de prime abord je dirais non, clairement pas, ce n'est pas un projet débutant compatible. Mais je me fie à la débutante que j'étais, la débutante pas audacieuse et pas téméraire. J'avais peur des torsades, j'avais peur quand il y avait trop d'informations. Au début, j'avais du mal à lire mon tricot. Voilà, je préférais y aller step by step. J'ai mis du temps avant de me lancer dans les chaussettes, j'ai mis du temps avant de me lancer dans mes premières torsades. Voilà, j'avais peut-être pas confiance dans mes capacités. Donc, clairement, un projet comme ça, jamais de la vie, j'y serais allée en tant que débutante. Ça dépend ce que vous appelez aussi débutante. Si vous êtes débutante, vous savez juste faire la maille en droit, la maille envers et que vous n'avez jamais fait de vêtements, c'est peut-être pas l'idée du siècle non plus. Après, si vous avez déjà tricoté des vêtements, que vous avez déjà fait un peu de dentelle, un peu de texture, oui, pourquoi pas. Parce que sur ce tricot-là, quand même, il n'y a pas de jersey, il n'y a pas de mer de jersey, il n'y a pas que le devant qui est texturé, il y a tout qui est texturé. Alors, la texture des manches et du dos est très simple, c'est une alternance de maille en droit et de maille en vert. Mais ça nécessite tout de même de ne pas se planter et de savoir lire son tricot pour être sûr qu'on fait bien le truc. Clairement, moi débutante, je suis certaine que même ce point-là, j'aurais galéré un peu, je me serais plantée, j'aurais pas bien lu mon tricot, enfin voilà.
Après, quand je vois la manière dont certaines débutent le tricot là ces dernières années sur YouTube ou même sur au niveau de mes copines, je me dis qu'il y a des débutants qui sont carrément capables de faire ça, qui sont des débutants qui hop là, c'est inné quoi le tricot. J'ai regardé une vidéo, je vous en parlerai tout à l'heure, d'une petite nana qui tricote depuis un an. Clairement, elle fait des trucs de fou. Elle fait des trucs de fou que moi, en un an, je n'aurais jamais été capable de faire. Elle fait du jacquard, elle fait de la dentelle un peu compliquée. Enfin, voilà, moi, le jacquard, c'était quelque chose qui me faisait peur. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer dans le jacquard. Voilà, ça dépend où vous placez votre audace, où vous placez votre témérité, on dit, le fait d'être téméraire, je ne sais pas. Voilà, et à quel point vous avez envie de vous challenger. Clairement, si vous voulez y aller tranquille, pépère, pour débuter les vêtements en tricot, vous faites le 13KO de Elong avec Anna. Il est gratuit, il se tricote de haut en bas, il est en jersey. Voilà. Là, franchement, je vous ai dit, ça mêle donc texture partout, donc savoir lire son tricot. Et sur le panneau de devant, on a un seul diagramme qui fait plus de 100 mailles. Ça nécessite de savoir lire un diagramme et de ne pas s'y perdre, parce que 100 mailles, plus de 100 mailles sur une seule ligne, c'est beaucoup. Il y a de la torsade, des nopes, un peu de dentelle, et des torsades dans les deux sens, avec pas à chaque fois le même nombre de mailles. Enfin, voilà, pour moi, c'est clairement pas un pull simple. En plus, il y aura. En plus, du coup, là, on est sur le diagramme en rond. Quand faudra séparer le corps des. Enfin, qu'il faudra séparer les emmanchures, on sera en aller-retour, ce sera encore différent. Moi, je dirais non. Débutons, non. Mais. À vous de voir où est-ce que vous vous placez votre curseur au niveau de ce dont vous avez envie, ce que vous voulez faire, comment vous voulez vous challenger. Et quel est votre niveau de débutant, en fait. Voilà, tout simplement. J'ai envie de dire, rien n'est interdit aux débutants. Après, si c'est faire un projet complexe, galérer, passer 1000 ans et avoir un mauvais souvenir de tricot, est-ce que c'est la peine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À vous de voir. Donc, où en suis-je? Je n'ai pas mis de progress keeper depuis la dernière fois, mais là, j'en ai mis un pour la prochaine fois. J'ai donc continué, j'ai fait un tout petit peu plus que la grille de texture. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais au milieu de la grille à peu près. Un peu plus peut-être. Et j'ai fini la grille et j'ai même fait deux ou trois rangs de plus. J'ai recommencé une nouvelle fois la grille. Vous voyez, derrière, on a un point texturé très simple. Mais en tant que débutante, moi à tous les coups, je me serais plantée. Je n'aurais pas... Enfin, j'aurais eu du mal à lire mon tricot, savoir où j'en étais. Là, clairement... Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, je lis mon tricot, je sais quelle range j'en suis, et voilà, c'est avec l'expérience en fait. Et là, vous voyez, on est quand même sur un panneau gigantesque. Personnellement, débutante, jamais j'aurais fait ça. À vous de voir. Ça paraît petit comme ça, mais tout va s'écarter déjà quand j'aurai un plus grand... Enfin, j'aurai jamais de plus grand câble, mais si j'avais un plus grand câble, ça s'écarterait, et au lavage, les mailles en verre vont prendre leur place, donc ça va être très beau. Franchement, j'aime beaucoup, c'est très agréable à tricoter. Bien évidemment, il faut être concentré, mais c'est pas difficile en soi. Après, c'est pas difficile parce que moi maintenant, le diagramme, je sais le lire. Et en plus, j'ai pas besoin de la légende, alors qu'il m'a fallu longtemps pour identifier le GGT du 2 mailles ensemble sur un diagramme, pour me rappeler, ah oui, le GGT, il s'oriente dans tel sens, et 2 mailles ensemble, ça s'oriente dans tel sens. Donc, si à chaque fois, vous devez réduire votre diagramme, parce que moi, je l'imprime pas, je fais sur la tablette, réduire votre diagramme, regarder la légende, ah oui, là, c'est un GGT, re-agrandir le diagramme, se rappeler où on en est, enfin, voilà, c'est pareil. Là, il y a une diminution double centrée et un surjet double. C'est une diminution double, les deux, sauf que le rendu visuel n'est pas la même chose. Il y en a un qui est invisible et l'autre qui ne l'est pas. Bah c'est pareil, il faut savoir comment on le fait, se rappeler comment on le fait, et se rappeler de la... du pictogramme de chaque, en fait. Et ça, c'est pareil, un truc en tant que débutante, moi, c'était trois étapes qui me demandaient de l'énergie, du jus de cervelle, quand même. Donc voilà. Donc, j'ai mis un petit progress keeper ici, pour la prochaine fois. Et bah, j'ai décidé du coup voilà de le sortir de ma pioche et d'avancer un petit peu par un petit peu, quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là, pour qu'il avance, parce que bah, j'ai une deadline, donc il faut qu'il avance. Et j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le rendu, et ça sera trop beau, ça sera... Là, ça paraît vraiment tout petit, mais ça va vraiment prendre sa place beaucoup plus que ça, quand quand il sera plus sur un câble ratatiné en fait, et qu'il aura été lavé. Oh, ça va être beau. Ça va être beau. Voilà pour le... test knit pour Aurélie la poule. J'ai commencé un test de chaussettes aussi, mais qui est un test secret. J'ai commencé ça ce matin. J'ai fait que ça ce matin. Donc, vous ne le verrez pas puisque il est secret. Vous le verrez quand il sort
dans environ 3 semaines. Et j'ai ressorti un vieil encours. Vous voyez, je ressors mes vieux encours. C'est vraiment très bizarre, ça. Ouais, on va faire comme si on voyait rien. J'ai ressorti un vieil encours dans ce sac à projet de Eve, en me disant que c'était un encours zéro cerveau et que du coup c'est l'encours que j'allais dédier au tricoter. J'allais essayer de m'astreindre à tricoter ça à chaque tricoté ou presque. Si un jour j'ai pas envie de tricoter ça et que je veux faire autre chose, je vais pas me blâmer ni me fouetter. Mais je me suis dit que c'est un projet que j'ai envie d'avoir, qui n'est pas pénible à tricoter mais que je n'ai pas particulièrement envie de tricoter et qui est zéro cerveau. Donc qui est parfaitement adapté au tricoté. Donc je l'ai repris vendredi et je me dis que même s'il avance tout doucement de tricoté en tricoté, bah il finira par être fini un jour. Et c'est ce qu'on veut. C'est donc un châle triangulaire que je fais moi-même sans patron. Alors c'est un peu selon l'inspiration du patron Mathilda d'Aurélie Lapoule qui est un patron gratuit. Je crois qu'elle les augmentations, elle ne les fait pas de la même manière que moi je les ai faites. C'est un châle triangulaire isocèle tout simplement. Que je tricote avec de la laine Diablo de chez Hobby, que je double. Alors je vous avais raconté toute l'histoire, j'avais fait des cakes dégradés comme ça, j'en ai deux. J'avais des pelotes solitaires de Diablo de chez Hobby, et j'ai fait des cakes en m'amusant à faire un fade. C'est double ou c'est triple? Non, c'est double. Donc lui en part de l'extérieur vers l'intérieur, et bah lui aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Voilà, le but c'est d'user ces deux pelotes-là. Je me rends pas du tout compte de quelle taille sera mon châle, ce sera la surprise. Voilà, le but c'est de faire un châle un peu moelleux. Après, la Diablo de chez Hobby, c'est clairement pas une pépite, hein. Je crois que c'est 50% acrylique, 50% mohair. Je trouve qu'en tricotant, on sent quand même le plastique à l'intérieur. Mais j'avais des pelotes isolées pour un projet que je n'ai jamais fait, que j'avais acheté il y a plusieurs années de ça. Et donc j'ai décidé de dédier ça à un châle un peu moelleux, et un châle un peu qui craindrait pas grand chose, parce que la laine de chez Hobby, bon bah voilà. Et ça sera un châle tout moelleux au point mousse, et donc je l'avais commencé, puis bah je l'avais assez rapidement abandonné parce que c'est pas palpitant. C'est tout simplement un châle triangulaire comme ça, donc depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, il y a un an, deux ans, j'en sais rien. J'en étais là, donc j'ai tricoté tout ça hier soir au tricoté. Alors forcément, plus ça va, plus il y a de mailles. Donc plus ça va être long. Mais je vais déplacer mon Progress Keeper pour le voir avancer. C'est assez plaisant de voir avancer comme ça. J'aime bien. Tac. Hop là. Voilà. Et ça me permet aussi de savoir l'endroit de l'envers, puisque c'est du point mousse, mais je ne fais les augmentations que sur les rangs en droit. Là, on voit qu'il y a une deuxième couleur, hein, je sais pas si vous voyez, qui s'est intégrée, parce que j'avais vraiment fait ça bien, le fade, hein, j'avais fait ça avec en pesant ma laine, en doublant les brins et tout, enfin, je m'étais cassé la tête. Ouais, moi, je le vois, il y a une couleur qui s'est intégrée un peu claire. Et en fait, c'est tout simplement un châle que j'ai démarré par un garter tab, et ensuite, sur tous les rangs en droit, je fais un jeté au début, un jeté à la fin, et deux jetés autour d'une maille centrale, ce qui me fait 4 augmentations par rang, ce qui me fait un châle parfaitement symétrique et qui sera un châle isocèle en la pointe là à la fin. Voilà. Alors je me questionnais en me disant comment je vais le finir à la fin. Est-ce que je ferai pas un rabat classique? Peut-être bien que oui. J'en y suis pas du tout encore, mais écoutez, ma foi, il va avancer au fur et à mesure. Je le tricote en aiguille 4. C'est pas mal, puisque c'est du pseudo mohair en double. Ça fait un rendu moelleux, mais pas trop serré. J'aime bien. Et je me dis, ça fera un châle doudou. C'est très cool, un châle doudou dégradé. Voilà. Mon projet de tricoter. Et ma foi, je suis contente de l'avoir ressorti et de lui avoir trouvé un moment rien qu'à lui, parce que sinon, je sais que j'aurais pas pris le temps de le faire. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, Jean-Hugues, on a dit, je le sortais du bol parce que je ne veux pas le mettre dans ma pioche. Pour rappel, ma pioche, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas des objectifs journaliers, ce ne sont pas des objectifs hebdomadaires, ce sont des objectifs à court terme, des petits morceaux de projet, par exemple, faire une manche, je dis ça au pif, que j'ai mis là-dedans, de ce que j'ai envie de faire là, à court terme, bientôt. Et l'idée, c'est de piocher un papier, de faire cet objectif, quand cet objectif est fait, de piocher un autre papier, etc. Et peu importe le temps que va me prendre tous ces petits papiers, une fois que le bol sera vide, je me referai, je sais pas, 5, 6 petits objectifs
à court terme, etc. Ça permet d'avancer les projets et je trouve ça cool. Et le fait de ne pas me mettre de deadline, je trouve ça cool aussi. C'est pas à la semaine, je m'en fiche. Voilà, c'est comme j'ai envie, sachant que j'ai les tests à côté qui, eux, doivent avancer aussi. Donc, il reste 5 papiers dans mon bol. On va en piocher un tout de suite ensemble. Donc, ce sera... Ah, il y en avait deux, alors, on ne sait pas. Ce sera lui pour le prochain petit objectif à court terme. Alors, j'avais mis faire 3 pelotes de la veste numéro 5. 3 pelotes, c'est peut-être un peu ambitieux, je vais peut-être descendre à 2. Est-ce que j'ai ça là? J'ai ça où? Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est enfoui. Ah, c'est là. Attendez, que vous ne tombiez pas, ça serait vachement bien. La veste numéro 5, c'est un patron de... Oh là, vous avez tourné. Pardon, pardon. Je disais donc, la veste numéro 5, c'est un patron de My Favorite Things, que j'ai déjà acheté, j'ai déjà fait l'échantillon du moins, un pseudo-échantillon qui m'a permis de mesurer un peu. C'est un gilet sans manches, col V, qui ne se ferme pas, je crois qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de boutonnage, de bande de boutonnage, il n'y a pas de bouton, en grosse laine. J'avais envie de me faire un gilet comme ça, en grosse laine, à poser soit par-dessus ce genre de... Enfin, par-dessus un pull quand il fait vraiment froid, soit à mettre par-dessus un t-shirt comme ça quand il fait moyennement froid. Des fois, j'ai besoin sur les épaules, mais en fait, j'ai un peu chaud, donc j'aime bien avoir les bras juste avec un t-shirt, quoi. Et c'est de la faute de Emma Tricolibri, puisqu'elle m'a donné envie de tester la laine confetti de chez... Lana Grossa, peut-être bien. Et il y avait deux coloris qui étaient en solde. C'est chez Lana Grossa, chez Filati, il y a quelques temps, et j'en avais profité pour acheter du coup cette qualité de laine là. Voilà. Ah oui, et du coup je vous avais dit que j'avais commandé de la laine à chaussettes chez Filati, et le fait est que je trouvais ça bizarre qu'elle n'arrive pas. J'ai fini par me renseigner auprès de Filati, le temps qu'ils me répondent. Enfin, moi, j'avais laissé du temps en me disant « c'est pas grave, ça vient pas de France, etc. » Et en fait, le livreur n'est pas passé, n'a pas mis d'avis de passage, a mis le colis directement à la poste, et le temps que Filati me réponde, que moi je m'inquiète que Filati me réponde, etc., le colis n'était déjà plus disponible à la poste. Donc mon colis est reparti, donc je suppose que je vais être remboursée, c'est génial. Bref, donc la veste numéro 5, je dis c'est une grosse veste. Non, c'est un gilet sans manches épais que je vais faire, attention les yeux, avec donc de la confetti de chez Lana Grossa, qui est une laine, où est-ce écrit, 100% laine vierge, 50 mètres pour 100 grammes, donc c'est de la très grosse laine, que je vais tricoter en 10, si je ne me trompe pas, ou en 12, je ne sais même plus, attendez. Ah bah j'ai mis les deux paires d'aiguilles dans mon sac, non je crois que c'est en 12 que je vais la tricoter, que j'avais fait l'échantillon, je sais plus. J'ai noté sur mon cahier, donc peut-être en 10, 10 ou 12. D'ailleurs j'avais acheté chez Filati en même temps des aiguilles fixes, 10 et 12 parce que j'en ai pas. C'est vraiment des pieux et c'est des aiguilles de chenille pro et ma foi, avec un câble de 80 je crois, ça sera très bien pour faire ce genre de projet. Et donc, la confetti, c'est ça. Moi, j'ai pris ce coloris dans les nuances de rose-violet parce qu'il était soldé, c'est un coloris qui me plaît. Emma l'a tricoté dans un coloris plus carnaval, j'aime beaucoup aussi avec des tons orange. Je ne voulais pas faire une grosse pièce avec parce que je pense que sinon ça aurait été extrêmement lourd et extrêmement bariolé, et bon, je suis pas sûre du rendu, quoi. Là, un gilet sans manches, je me dis que ça peut être vachement cool. Je m'étais mis de tricoter 3 pelotes, pourquoi? Parce que... 50 mètres pour 100 grammes tricotés en 10 ou 12, ça va monter très vite, voilà. Donc je vais voir le temps que ça me prend, en fonction de mon objectif, soit je ferai 2 pelotes, soit je ferai 3 pelotes, mais on verra, je vais sans doute castonner ça peut-être ce soir, tiens ça serait une bonne idée, et voilà, et j'ai hâte de voir le rendu. Alors ce sera bariolé, mais je me dis, vu que c'est un gilet sans manches, sur un t-shirt noir, déjà, ça tempère un peu le truc avec un jean, je me dis pourquoi pas. J'hésitais à me faire un slip-over, donc un pull sans manche, mais au final, je préfère le gilet. Au niveau du nombre de pelotes, j'étais très hésitante, je ne sais plus combien j'en ai pris, mais je pense que j'en ai pris trop. J'arrive pas trop à jauger, mais je pense que j'en ai pris trop. Donc si j'en ai trop, bah, je verrai en fonction de combien il m'en reste pour faire un col, un bonnet, ou alors
une sorte de simili Sophie Scholl. Je verrai. Je verrai en fonction de ce qui me reste. Voilà, donc ça c'est mon prochain objectif. J'avais envie de castonner là prochainement un gros gilet sans manches, un truc qui monte très vite avec des grosses aiguilles. Et cette laine, c'est de la faute de Emma Tricolibri. J'ai un autre gros gilet que j'ai envie de castonner, j'allais dire bientôt, mais bientôt est relatif, je ne sais pas quand. Pas aussi gros que ça, mais quand même gros, donc je ferai ça, j'aimerais bien le castonner dans pas trop trop longtemps non plus. On verra. Voilà, et pour finir, j'ai déjà beaucoup parlé, je voulais vous parler des vidéos et des patrons qui sont sortis. Alors, au niveau des patrons, il y en a deux. Il y a, alors je vous le mets là, il y a Orlan Zuch qui a sorti un très joli pull en yoke, qui est un pull avec un yoke texturé qui s'appelle le Neve. Et je le trouve très sympa. Et il y a Renard Endormi qui a sorti un duo de chaussettes avec des champignons. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de champignons dans l'assistance. Donc voilà, un très joli duo de chaussettes. Au niveau des vidéos, j'en ai encore regardé pas mal. Maintenant que je les regarde en 1.25, j'arrive à en regarder un peu plus. Et je me force à regarder des gens que je ne connais pas. Et ça, c'est vraiment cool aussi. Donc j'ai regardé, bon, Loli Pelote, ça, ce n'était pas une inconnue. J'ai regardé son vlog de numéro 57, où elle est en vacances avec sa famille. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir l'ambiance familiale, les retrouvailles et tout. Ça doit pas être facile d'avoir de la famille au bout du monde comme ça. Enfin, j'ai de la famille au bout du monde, mais c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur. C'était les deux sœurs de ma grand-mère qui sont parties vivre en Floride. Donc voilà, c'est quand même un peu plus éloigné, mais et c'était très sympa. J'ai regardé pour la première fois Mélanie des Aiguilles Aventurières. J'ai regardé son podcast numéro 18. Et c'était trop bien, j'aurais dû regarder Mélanie avant, mais ça fait partie des gens que je me dis, il faut que je regarde depuis des semaines, et je ne le fais pas. Donc c'était vraiment très chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'aime son univers coloré, j'adore son fauteuil ou son canapé qui est derrière elle, la bicolore, j'aime trop, c'est génial. C'était super ce qu'elle nous a raconté, j'aime sa manière de parler, elle a une voix agréable, enfin j'ai beaucoup aimé. Donc je regarderai à nouveau. J'ai regardé le carnet créatif numéro 4 d'Ève, et bien entendu, c'était vraiment très très chouette. J'aime beaucoup son pull qu'elle a fait en alpaca, enfin en puna. Claire, là, il est vraiment très très sympa. Très 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 sympa, ça lui va très très bien. Et son gilet Ariana qui avance me donne envie d'avancer dans les miens. Ça sera peut-être dans les petits objectifs. Alors, je sais que c'est pas dans le bol là, mais dans le prochain bol, ce sera peut-être un des objectifs. J'ai regardé le vlog 105 de Lauriane, l'eau demoiselle, et c'était encore une fois aussi très sympa. J'aime beaucoup le violet qu'elle vient de castonner sur un pull pour Nadia, je crois. Un pull dont je n'ai pas vu passer le test, il me semble. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Très beau violet. J'ai regardé aussi pour la première fois Aurélie Nitt, le podcast numéro 7, et c'est elle qui m'a impressionnée par le fait qu'elle tricote depuis un an, et elle a déjà fait le Whitmore cardigan, elle est en train de tricoter un pull en jacquard, enfin je suis scotchée, et c'était super sympa. J'ai passé un bon moment, j'ai pris du plaisir à la regarder. Et j'ai regardé le vlog tricot, le dernier vlog tricot d'Elodie, Unknitting Journey, et c'était là encore très très sympa. Et alors son traveler, vraiment, je bave dessus, autant sur le modèle comme il lui va sur elle, que sur la couleur de la laine, la couleur cyprès de chez Dererum Natura. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Voilà. Je vous embrasse donc, ces belles personnes, si vous passez par là. Comment va Perle? Je sais que vous allez me demander. Comment va Perle? Ça va. Je trouve que ça va tout doucement de mieux en mieux, mais vraiment tout doucement. Elle ne remange pas encore normalement, elle n'a presque un comportement normal, mais pas encore tout à fait. Je prends bien soin d'elle, et de toute façon on revoit le vétérinaire dans 10 jours, donc pour les vaccins. Enfin, sauf si elle n'est pas en bonne forme, il ne fera pas les vaccins, je pense, mais on verra. Voilà, donc j'espère que ça va continuer comme ça, mais punaise, c'est vraiment long à se remettre, quoi. Donc, je vous retrouve, je pense, maintenant quand j'aurai fini mon objectif du bol, de castonner et de tricoter deux ou trois pelotes sur la veste numéro 5 de My Favorite Things pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je me dis que ça devrait monter super vite quand même. Ça devrait monter super vite. J'ai vraiment très très hâte. Très très hâte. J'avais très envie d'un projet grosse laine qui avance vite et qui se finit vite. Voilà, un entre deux, tous mes en cours. Et puis pourquoi pas? Pourquoi pas? Autant se faire plaisir. Voilà!
On est mardi. Je m'y prends encore un peu tard. On est sur un soleil couchant. C'est du grand n'importe quoi la luminosité. Le ciel est mi-soleil, mi-tout noir. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. De toute façon, on va potentiellement se retrouver dans le noir bientôt. Je vais pas rester très longtemps. De toute façon, j'ai pas énormément de choses à vous dire. Je porte un pull que vous ne voyez pas. Vraiment la lumière. Je suis désolée. Je porte le Lady Fais pas ci, fais pas ça de Même les anges tricotent que j'ai fait en hors de drops. Et ma tension dans le jacquard est pas terrible, terrible. J'étais un peu trop détendue du jacquard. Et ma laine s'est un peu étendue au lavage, ce qui fait qu'il est un peu grand et que, avec le rendu qu'il a, j'aurais pu faire une taille en dessous. Mais il est bien, il me plaît bien. Il est du coup en fil fingering sport, ce qui va bien en ce moment, puisque là on dirait que c'est le printemps. Je trouve ça un peu flippant, on n'est même pas au mois de février, qu'on dirait déjà le printemps. J'espère qu'on va avoir un regain de froid, parce que si ça annonce déjà un printemps fin janvier, je n'imagine pas l'été fin mars, la canicule et tout. Non, merci, ça va aller. Alors je reviens aujourd'hui vous montrer ma pioche, ce que j'ai fait dans ma pioche, et je suis un petit peu fâchée sur mon projet. Non, je suis pas fâchée, mais... Et pas sur le projet, mais sur la manière de faire le patron de la designeuse. Donc, pour rappel, mon pioche-pioche, vous, c'était il y a 2 minutes, moi, c'était il y a quelques jours. C'était avec de la confetti de chez Lana Grossa pour faire un gilet sans manches, la veste numéro 5 de My Favorite Things. J'ai tricoté 2 pelotes, mais je vais devoir détricoter un bout, je vous explique. Je tricote ça en aiguille 10 mm, je pense que j'ai pas trop mal évalué mon échantillon, j'ai pas réellement fait d'échantillon. En fait j'ai fait quelques rangs pour mesurer, j'ai pas lavé, je sais pas du tout si ça se détend au lavage. Et voilà, bon après de toute façon ce sera un gilet sans manches qui a pour but de pas être trop près du corps et qui a pour but peut-être d'être un peu clownesque, donc porté potentiellement peut-être pas trop à l'extérieur. On verra, le but c'était de s'amuser. Je tricote ça en aiguille 10. Et donc, on commence par faire un morceau du dos. Moi j'aime bien, alors évidemment avec ma luminosité pourrie, on voit rien. Mais j'aime bien le rendu que ça fait pas particulièrement du pooling. Et c'est très bariolé, mais c'est dans les tons de rose, violet, blanc, donc ça me plaît. Donc on commence par monter des mailles en haut, on tricote du dos et on vient peu à peu creuser... Creuser les emmanchures. Donc ça m'a pris un peu plus de une pelote pour faire ça. Je vous ai dit que je n'avais aucune idée de combien de pelotes il me faudrait. Et je crois qu'on est sur 50 mètres pour 100 grammes, si je ne dis pas des âneries. Ouais, c'est ça. 50 mètres pour 100 grammes. Donc un peu plus de une pelote pour faire ce morceau du dos avec du coup les... vous voyez rien parce que ça roulotte, mais ça s'agrandit au niveau des emmanchures. Et ensuite on vient relever sur les épaules pour faire les demi-devant, et je suppose que l'étape d'après c'est rejoindre les demi-devant et le dos pour tricoter tout, c'est-à-dire en rond, mais on n'est pas en rond, on en a les retours puisque c'est un gilet. Dans l'idée franchement j'aime bien, alors c'est, mon tissu est un peu rigide là, mais parce qu'en 10 avec ma tension c'est un petit peu rigide, mais je pense que ça va s'assouplir au lavage, et au niveau de la taille, je pense vraiment qu'on est bien. Donc, là, concrètement, j'ai fini 2 pelotes. Donc je m'étais dit, trop bien, j'arrête mon challenge ici sur ce projet-là. Ça reviendra dans une prochaine pioche, c'est bon, parce que 10 mm, on va pas se mentir, ça fait quand même mal aux mains, c'est pas super super fluide. C'est rigolo, ça avance vite, mais c'est pas super super fluide. Là, j'ai mis en attente sur un câble, bref. Donc, moi, ce que je lis, c'est relever les mailles. Oh là là, je suis vraiment navrée. La lumière, j'ai l'impression qu'on ne voit rien. Relever des mailles, tricoter, et en faisant un rang comme ci, un rang comme ça, et répéter ces rangs. Il y avait 4 rangs, répéter ces rangs 8 fois. Donc, je fais ma section en répétant les rangs 8 fois pour créer le V du gilet. Je finis ça, je finis toute ma section. J'arrive au bout de ma 2e pelote, il me reste... quasiment rien de la 2e pelote, donc je me dis c'est trop cool, ça tombe pile poil pour la fin de ma petite pioche, je vais m'arrêter là. Et là je me dis tiens, je vais regarder la suite. La suite, je m'attendais à relever les mailles et en gros faites la même chose quoi. Et là je vois écrit en dessous, en même temps que vous augmentez pour l'encolure, vous allez aussi augmenter pour les emmanchures. C'est logique. Sauf que bordel de... les designers qui font ça, vous pouvez pas faire comme les designers qui mettent un petit encart
au-dessus de la section. Attention, dans cette section, nous allons simultanément augmenter et l'encolure et l'emmanchure. Parce que moi, je suis pas de ceux qui lisent les patrons en entier. Quand je lis tout le patron, généralement, je me dis « Ah, je comprends rien, au secours !» Alors qu'en fait, si je lis étape par étape, je comprends ce qu'il faut faire. Et là, c'était vraiment écrit « Répéter ces deux rangs X fois ». Donc moi, j'ai répété ces deux rangs X fois. Et après, je passe à la suite. Et la suite, c'est « En même temps, augmenter à tel rythme, augmenter sur les emmanchures. » Donc non seulement les explications, c'est, je les trouve pas hyper clair, franchement, moi débutant de tricot, moi perdu, hein. Mais non seulement ça s'ajoute comme un cheveu sur la soupe, sans graphisme ni rien du tout, enfin, ah, ça m'a énervé. Du coup, bah, je dois détricoter la moitié de ça, parce qu'en fait, à la moitié de ça, je dois commencer des augmentations sur les emmanchures. Je dois détricoter 16 rangs. Alors, c'est pas la mort, c'est pas beaucoup de mailles, c'est des aiguilles 10, mais ça me saoule. Quand là, clairement, j'estime que c'est de la faute du patron. Les designers francophones, parce que c'est souvent les designers en anglais comme ça, là, qui sont tellement succincts, genre Petite Nit et compagnie, que moins il y en a, mieux ils se portent. Les designers français, souvent, il y a une phrase « Attention, dans cette section, nous allons augmenter simultanément tel et tel endroit. » Bah là, non, là, voilà, je suis sûre qu'on est des dizaines et des dizaines à s'être plantés, ou alors je sais pas si tout le monde lit son patron en entier avant de... Je ne sais pas. Bref, donc, bah là, ce que je vais faire avant de le ranger pour attendre la prochaine pioche, je vais défaire les 16 rangs que je dois faire puisqu'ils sont faux et je vais les refaire, ça va pas me prendre 1000 ans, ça va me faire entamer la troisième pelote puisqu'il y aura des augmentations, et voilà. Mais bon, sinon au niveau du rendu, le rendu me plaît bien, sur un t-shirt noir franchement ça peut carrément le faire. Sur le modèle, je crois qu'elle a des poches ou des fausses poches, moi je ne les ferai pas, par contre j'essaierai de faire toutes les finitions comme elle, les côtes etc, il faudra relever tout autour, enfin. Bref, voilà, ça c'était le gilet de Manu ne lit pas son patron, ou le designer fait exprès de tendre des pièges, ou les deux. Donc, eh bien, je vais enlever le papier de ma pioche, étant donné que c'est fait. Et donc, il me reste 4 papiers dans ma pioche pour cette session-là de papier. Je vais donc en piocher un autre, savoir qu'est-ce qu'on va faire, je crois... Me rappeler de 3 des 4 papiers. Quel est le quatrième? Je ne sais pas. Alors, hop. Mon Dieu. C'était ça, le quatrième. Faire 12 rangs de ma Woodside Christmas Blanket. Eh ben, c'est parti. Dès que j'ai rattrapé ma bourde sur mon gilet en aiguille 10, je fais 12 rangs de ma Woodside Christmas Blanket. Parce que sinon, elle n'avancera jamais. Et je pense que ce papier-là reviendra systématiquement dans la pioche jusqu'à ce que la couverture soit finie. Il me reste pas des milliards de rangs à faire, hein, sur cette couverture, mais il m'en reste quand même. Donc, bah voilà, c'est ça. La suite, c'est ça, c'est 12 rangs de la Woodside Christmas Blanket. Pour finir ce petit morceau de vidéo, je voulais vous parler des patrons qui sont sortis et des... Comment vous dirais-je? Et des vidéos que j'ai regardées. Alors attendez, c'est le bazar. Tac. Comment va Petite Perle? Parce que je sais que vous me demandez à chaque fois un petit update. Petite Perle, ça va beaucoup mieux que quand elle était malade. Mais on n'est toujours pas sur un retour 100% à la normale. Je trouve qu'elle a encore une respiration légèrement de nez pris. Donc de toute façon, je vois le veto lundi, donc je lui en parlerai. On verra s'il redonne un traitement ou s'il veut des examens complémentaires. Parce qu'évidemment, moi j'ai fait des recherches sur Google, ce qu'il ne faut pas faire comme quand on est... humain, et on tombe sur nodules dans le nez, opération, cancer, enfin bref. Mais j'ai pas, enfin je sais pas, ou alors elle s'est tapée une méga infection respiratoire, et ça met du temps à partir, je sais pas. Mais elle va mieux, elle fait des câlins, elle rejoue un petit peu, elle mange un peu mieux, elle mange pas encore normalement, et elle est surtout très difficile. Je pense que ça affecte son odorat, les problèmes de respiration là, et du coup elle va beaucoup sentir les gamelles avant de se décider à manger, et moi ça m'angoisse, mais bon, bref, elle mange, elle boit, elle fait ses besoins, elle dort, elle ronronne, elle me fait des câlins, mais elle n'a pas encore sa vitalité d'avant, peut-être ne la retrouvera-t-elle jamais, je ne sais pas, et je trouve qu'il y a encore un petit, tout petit truc au niveau de la respiration, même si c'est rien à voir avec ce que c'est au début. Bref, au niveau des patrons, j'ai oublié de vous montrer la dernière fois un patron qui est sorti parce qu'il était caché,
entre deux photos. C'est un patron d'Irène Lin. Ah oui, je me pousse, je mets ça là. Mais heureusement que je vais bientôt finir parce que nous allons être dans le noir bientôt. Un patron d'Irène Lin qui est le Fina ou Pina Sweater que je trouve très sympa, qui est un pull avec un col roulé ouvert et des torsades qui descendent sur tout le pull. Je le trouve très très sympa. Et sinon, il y a un seul patron pour cette sélection d'aujourd'hui que j'aime beaucoup. C'est le jacquard. C'est le Awilda de Caitlin Hunter. C'est un pull en jacquard. Alors, le col a encore l'air chelou. Tout le monde m'a dit que les cols de Caitlin Hunter étaient très bizarres et que sur elle, ça paraissait normal et qu'à chaque fois, on se retrouvait avec un truc ultra minuscule si on faisait pas la plus grande taille. Je ne comprends pas. Mais là, clairement, déjà, son col est prêt du coup. Enfin, méfiance. Il est très beau, c'est un jacquard extrêmement géométrique et je le trouve très 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 beau. Et j'ai très envie de le faire. Il se tricote en sport fingering, j'ai regardé sur la fiche Ravelry, donc potentiellement de la Nord, ça pourrait aller parfaitement, puisqu'on est sur un échantillon de 24 mailles. Et peut-être un peu moins large que le sien, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jacquard géométrique comme ça, je trouve que ça permet de s'amuser avec les couleurs, c'est canon. Et au niveau des vidéos, parce que j'ai continué à regarder des vidéos, j'ai regardé le podcast 54 de Clara DIY Your Dream, et c'était vraiment chouette, j'aime beaucoup Clara, j'aime beaucoup son univers créatif. Elle a décidé de faire plus de broderie cette année, et même si moi je ne fais pas de broderie, je trouve que c'est très chouette de la regarder parler de broderie, en plus du tricot, donc c'est très cool. J'ai regardé l'épisode de podcast 72 de Christelle, Démaille et moi, et là aussi c'était vraiment très sympa. Christelle, elle me... Comment dirais-je ? M'impressionne. Elle m'impressionne de par son organisation. Je suis quelqu'un d'organisé. Je suis quelqu'un qui aime planifier, faire des to-do list, des machins, des trucs. Mais alors Christelle, elle me bat à plate couture. Alors, il y a Eve, qui est un peu comme moi à côté de ça, qui adore faire des plans sur la comète, faire des listes, des machins, des trucs, et qui au final patauge un peu dans la semoule à la vague comme je te pousse, voilà, en ayant des objectifs lunaires, en ayant des trucs, des envies, des machins. Et il y a Christelle qui a ses petits objectifs, ses machins, tant de rangs par jour, tel projet pour le podcast, tel projet... Je trouve que c'est d'une organisation millimétrée impressionnante, et j'adore. Et son pull en jacquard qu'elle fait avec des minis, il est absolument canon. J'ai regardé l'épisode 18 de Camille Willenson, ça fait hyper longtemps que je n'étais pas passée sur la chaîne de Camille, et ben c'était très cool. Comme d'hab, j'ai passé un bon moment, c'était vraiment très cool, elle fait des beaux projets, et elle m'a rappelé du coup que ça fait, ça fera 3 ans cet automne, que je veux faire le Tibesti de Lilophile, le châle Tibesti. Et ça fera 3 ans cet automne que j'ai bobiné les laines. Donc là, ça devient un peu plus problématique parce que des laines bobinées s'abîment. Va vraiment falloir que je le fasse en 2024. J'ai regardé, pour finir, l'épisode 45 de Céline See You Later. Et c'était là aussi très sympa. Son... Comment il s'appelle-t-il ? Onsen Flowers. Il est de Maxime Cyr. Il est vraiment très 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 beau. Et ses petites moufles en pleutule aux pieds, elles sont vraiment très sympas aussi. C'est la même designeuse que l'Into the Wild, Tania Barley. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse. Demain matin, aux aurores, non pas aux aurores, mais tôt dans la matinée, j'ai une expertise pour le dégât des eaux de ma salle de bain. Rappelez-vous, c'était il y a presque un an que j'avais eu un giga dégât des eaux dans ma salle de bain. Ce n'est toujours pas résolu puisqu'il y a conflit entre l'assurance, le syndic, la voisine. Ça va être un merdier demain. Tout le monde se ramène chez moi, là. Voilà, advienne que pourra. Donc moi, je vous laisse. Je vais aller faire des tâches ménagères qui m'attendent, puis détricoter là ces 16 rangs là de mon truc en aiguille 10, les refaire. Et après, je vais peut-être tricoter un peu sur mon test. Je vous le montre pas, je vous montrerai en fin de semaine mon pull Jean-Hugues. Mais il faut que j'avance un petit peu dessus. Et voilà. Et voilà. Et donc, dès que ces 16 rangs-là sont finis, ça veut dire la Woodside Christmas Blanket. Motivation, motivation. Bien, on est jeudi, je suis coiffée. On ne sait pas trop comment... J'ai lavé mes cheveux hier soir et ils ont pris une forme bizarre cette nuit, donc voilà. Nous sommes jeudi,
Il fait encore un temps très bizarre, printanier, là, j'aime pas trop. On est le 1er février, mais le printemps, c'est le 21 mars, hein, donc voilà. Donc je viens clore cette vidéo, tout simplement, parce qu'on ne va pas faire durer le suspense 1000 ans, et je ferai le montage demain. Toujours dans mon petit planning tricot classique, donc mes deux tests, le test secret de chaussettes, le test du gilet Jean-Hugues pour Aurélie la poule, ma pioche, j'avais pioché la Woodside Christmas Blanket, on va en reparler, et mon tricot de tricoter, je vous ai dit, lui qui est sorti de la pioche et qui est mon tricot que j'essaie de me forcer entre guillemets, même si je me force pas, enfin je veux dire, je prends du plaisir à le tricoter, et il est tout à fait compatible pour les tricoter. Voilà, donc commençons par le châle de tricoter. Qu'en est-il du châle de tricoter? Eh bien, ma foi, le châle de tricoter, donc pour rappel, est-ce que je vous l'ai montré cette semaine? Je ne sais plus, c'est un châle que je tricote avec des pelotes de Diablo de chez Hobby, qui sont 50% acrylique, 50%... pas du tout, 37% acrylique, 31% polyamide, 28% mohair et 4% polyester. C'est encore pire que dans mon souvenir. Voilà. Et je les avais achetés il y a quelques années pour un projet précis que finalement je n'ai pas fait. Du coup, avec, j'ai fait une sorte de fade. J'ai pris les pelotes que j'avais, je les ai disposées pour que ça fasse une sorte de fade. Et j'ai fait des cakes comme ça en doublant le fil. Donc j'ai fait deux cakes comme ça parce que la quantité d'un coup ne rentrait pas sur mon bobinoir. Et j'avais commencé un châle triangulaire tout classique avec juste des augmentations en forme de jeté sur les rangs en droit, donc tous les deux rangs, et ça fait un châle isocèle, et donc je l'avais commencé, plein de motivation, puis voilà, rapidement, t'es parti aux oubliettes, quoi, parce que c'est pas des plus passionnants, mais c'est tricoté compatible, donc je l'ai repris, et l'idée c'est de le finir cette année en ne tricotant qu'au tricoté. Je n'ai aucune idée de la taille finale qu'il fera, mais ce que je veux c'est aller au bout des deux cakes que je me suis fait. Et je ne sais pas du tout combien de temps ça me prendra non plus au niveau du tricoté. C'est du pseudo-mohair, donc peut-être que ça sera un peu chaud pour les jours chauds. J'en sais rien, on verra. Donc, j'ai fait un seul tricoté depuis que je vous l'ai montré, je crois. Oui, c'est sûr même, depuis le début de la semaine. Et donc, j'ai tricoté ça. Alors, c'est pas énorme, mais le châle commence à prendre une certaine... On voit le changement de couleur, là, même si c'est discret. On voit le changement de couleur. De toute façon, on verra le changement de couleur. Hein. Même si j'ai fait un fade en mixant les fils, on verra fatalement le changement de couleur. Et ça me plaît bien. Franchement, ça sera un châle léger qui craint pas grand-chose vu la matière. J'aurais pas peur de le trimballer un peu et de le maltraiter. C'est pas du mohair, quoi. C'est vraiment du plastique, ce truc. Donc voilà, j'ai fait ça. Je vais donc monter le Progress Keeper et on verra. Est-ce que je vous le montrerai pas seulement une fois par semaine, en fin de semaine? Ça n'a pas grand intérêt que je vous le montre deux fois dans la semaine. Au moins, vous verrez... au tricoté, j'y vais une à deux fois par semaine avec les copines. Enfin, sauf des fois où j'y vais pas du tout, mais voilà. De toute façon, ça va avancer doucement, hein, parce que plus ça va, plus les rangs sont grands. Ça n'a beau être que du point mousse que... Il y a perles dans sa litière. Vous devez entendre. Ça n'a beau être que du point mousse que je tricote en 4, bah fatalement, plus ça va, plus on a de mailles sur les aiguilles. Hein, donc voilà. Le tout, c'est juste de pas oublier de faire les jetés quand il faut les faire, mais... rien de compliqué, et ça serait un projet en moins, un projet qui, de longue date en moins, si je le finissais. Ensuite, au niveau de mon test de chaussettes, il est secret, je ne vais pas vous le montrer. Vous le verrez quand il sera sorti mi-fin février. Vraiment, la coiffure, là, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, et puis... J'ai l'impression que vous les voyez hyper foncés, moi je les vois plus clairement, on s'en fout. Au niveau du test, j'ai pas mal avancé, donc c'est le Jean-Hugues que je fais pour Aurélie la poule en bergère de France, douce laine, coloris Rosalie. Et j'aime beaucoup cette laine, elle est très très douce, par contre ce pull il consomme de la laine. Hein. Je crois que je suis, alors je sais plus si c'est ma cinquième ou ma sixième pelote, mais j'en suis bien dans ma cinquième ou sixième, je sais plus, cinquième ou sixième. Et... on a... combien de mètres? 90 mètres pour 50 grammes. Donc ouais, ça consomme quand même. C'est un pull qui se construit en bottom-up, donc de bas en haut. Et donc je vous l'avais montré avec sa jolie texture. Voilà ce que j'ai fait depuis... depuis que je vous l'ai montré, bah, en début de semaine sans doute. J'ai tricoté
tout ça, donc c'est vraiment pas mal, c'était plus ou moins l'objectif que je m'étais fixé, donc c'est cool, sachant qu'on est que jeudi et qu'il reste la fin de la semaine. J'ai mesuré, là juste avant de venir, j'ai 30 cm, alors j'ai pas tiré dessus, je pense que c'est un... Vu que la laine quand même est un petit peu lourde et que le point, surtout le point rend le truc un petit peu lourd, ça va se détendre un petit peu, j'ai 30 cm là, même sans tirer dessus j'ai 30 cm. Je ne sais pas ce que préconise le patron, je sais qu'elle préconise pas trop long parce que c'est un pull manche tombante un peu large. Et on voit que le point aura une extensibilité assez grande. Je vais pas faire 30 cm, clairement ça ne me correspond pas, mais je pense que je vais faire plutôt 35 cm que 40, parce que je le voudrais pas trop long, vu que c'est un pull oversize, sinon après ça fait un peu sac à patate quoi. Et surtout s'il prend un peu, je veux pas non plus qu'il finisse trop long. Donc je pense que je vais aller jusqu'à 35 cm avant la séparation corps-manche, d'autant plus que je crois que les emmanchures sont pas non plus très très hautes, donc ce qui descend encore le pull, et après bah je séparerai le devant du dos, et je suivrai les instructions pour faire le devant du dos, aucun souci, il suffit de suivre le... de suivre la grille, tout simplement, c'est vraiment pas très compliqué, je réitère, si on a déjà fait du tricot. Alors j'ai dû faire de la chirurgie hier soir, parce que je me suis aperçue, c'est au début du rang là, dans ces deux torsades là, vers ici, j'avais fait les deux torsades dans le mauvais sens, je sais pas pourquoi, je m'en suis aperçue quand même bien 15 rangs plus haut, 10-15 rangs plus haut, donc j'ai défait, et j'ai refait, et ça c'est le genre de truc que j'aurais été incapable de refaire en débutante, défaire 15 rangs sur quelques mailles et refaire des torsades, enfin vraiment j'aurais pas réussi, là ça m'a pas posé de soucis, c'était en plus que des torsades très simples, donc on ne voit pas la différence. Les bouboules au crochet c'est toujours très marrant à faire, alors il y en a que je serre moins que d'autres, ou je sais pas quoi, qui se voient moins, qui ressortent moins. Alors régulièrement, il y a certaines bouboules que je ressors moi-même, mais au pire, ça passe. Je ne crois pas m'être plantée dans le motif. Moi, j'aime beaucoup. Je me suis plantée. J'ai vu ça en regardant mon tricot hier, ici. Non, là. Mais alors vraiment, ça se voit pas, et c'est au tout début, et c'est sur rien du tout. Voilà. Ici, vous voyez, là, et là, j'ai fait deux rangs en vert au lieu d'un seul. Vous voyez, là on a un seul rang vert, après c'est des mailles en droit. Et là on voit qu'il y a deux fois les vaguelettes, j'ai fait deux fois des rangs verts. Est-ce que c'est grave? Absolument pas, c'est sur le côté, ça se verra pas. Et voilà, il y a vous et moi qui saurons l'erreur, mais le reste est juste, je pense qu'il n'y a pas d'erreur dans les bouboules, dans les machins. Et donc bah, voilà, j'ai avancé depuis la petite patte, donc c'est très cool. J'aimerais bien là, d'ici dimanche, séparer corps-manche, comme ça ce serait fait, ce serait un pull qui avancerait bien. Déjà parce qu'il est assez addictif à tricoter, en 4,5 ça monte bien, cette laine elle est extrêmement agréable à tricoter, et aussi parce que j'ai postulé pour un autre test. Oui, j'avais dit pas trop de tests, nani nana. Bon, les chaussettes, j'aurai une chaussette finie cette semaine et je ferai la deuxième la semaine prochaine, c'est des chaussettes simples, voilà, les chaussettes ça compte pas, non, on est d'accord. Après, qu'est-ce qui m'a décidé? J'ai hésité à répondre à l'appel au test. Je me suis dit, est-ce que vraiment t'as envie de ce projet? Est-ce que vraiment t'as envie de te remettre un test? Est-ce que t'avais pas dit un seul test à la fois pour pouvoir faire tes projets perso et tout? Bon, lui, il avance hyper bien. Et clairement, une fois qu'on aura séparé corps-manche, il y aura encore de la texture sur le devant. Donc, on sera sous les emmanchures. Il y aura la texture devant. Après, le dos et les manches, ce sera ce point-là qui est... de la texture, mais excessivement facile. Je pense que lui, il peut aller très très vite, quoi. Je crois que ça fait une semaine que je l'ai commencé, non? Deux semaines. Bah voilà, ça peut monter très vite, donc bon, lui, il m'inquiète pas trop. Et je me suis dit, est-ce que t'as vraiment envie de ce projet? Est-ce que... Alors, je sais pas si j'ai été prise encore, j'ai pas la réponse, mais... C'est... Alors, ce qui... j'ai hésité, j'ai la laine en stock, j'ai regardé avec quoi je pourrais le faire sans rien acheter, j'ai une quantité qui conviendrait, parce que c'est de la fingering, et mine de rien, j'ai pas beaucoup de quantité fingering chez moi, c'est pas une laine que... je suis plus attirée par acheter des laines DK, je sais pas pourquoi. C'est un pull pour Nadia, en fingering, donc lui aussi manche tombante, mais lui se tricote de haut en bas, avec tout un panneau... de devant, pareil que lui, enfin c'est pas du tout le même panneau, mais un panneau dentelle avec un tout petit peu de torsade, et il est très beau. Et ce qui m'a décidé à postuler, c'est que bon, j'aime beaucoup le panneau devant dentelle torsade, et j'ai besoin de pulls en fingering, et je n'en ai aucun sur mes aiguilles là, et je sais très bien que si j'écoute mes projets là que j'ai envie de faire, je ne vais faire que des pulls en DK.
Donc je me suis dit que quelque part ça m'obligerait à me faire un pull en fingering, qui plus est qui me plaît beaucoup. S'il m'avait pas plu, j'aurais pas postulé. Il y a plusieurs appels au test que j'ai reçus depuis début janvier, les projets ne me parlaient pas, j'ai pas répondu à l'appel au test, voilà. Mais donc je vais voir si je suis prise. En tout cas, si c'est le cas, va falloir que lui, par contre je pense qu'il va me demander, enfin c'est sûr, il va me demander plus de temps, c'est de la fingering, donc ça va se tricoter, je sais pas, en 3,5, 3,75, donc va falloir plus de temps. Et on a que 2 mois, je trouve ça assez court, 2 mois pour un pull en fingering. Pour un pull en déca, ça me paraît tout à fait bien, mais pour un pull en fingering, je trouve ça un peu short comme deadline. Mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est d'attendre de voir si je serai prise pour ce test. Sans doute j'aurai la réponse. Aurai-je sans doute la réponse ? J'aurai sans doute la réponse. Bientôt. Et après, il faudra rajouter ça au planning tricot, du coup, parce que la deadline du pull en fingering n'est pas si éloignée de la deadline de ce pull-là, Jean-Hugues. Mais le Jean-Hugues sera fini bien avant le pull en fingering. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Bref, et donc pour le tricot, dernière chose, dans ma pioche, rappelez-vous, j'avais pioché la Woodside Christmas Blanket. J'ai avancé un peu, pas assez à mon goût, et en fait j'ai décidé de la sortir de la pioche. Vous allez dire, mais tu fais que ça, tu sors tes projets de la pioche. Oui, bah oui, bah oui. Parce que si je la mets dans la pioche, elle va sortir que trop rarement, et elle n'avancera pas. Et l'été va arriver, je vais la laisser tomber, et j'en ai ras-le-bol de l'avoir traînée. Hier, j'ai tiré un grand fil de jacquard, ça s'est accroché dans un truc, et ça a tiré un énorme fil de jacquard que je n'ai pas réussi à remettre bien, donc faudra que je le rentre après le lavage. Et là, elle est là à côté de moi, je la vois traîner là, et j'en ai ras-le-bol de l'avoir traînée. Il me reste encore du boulot dessus, puisqu'il me reste, je crois, j'ai regardé 120 rangs avant la bordure en côte et puis les deux côtés en côte. Donc 120 rangs, c'est pas énorme, hein. C'est... Je crois que c'est un peu moins d'un quart de ma couverture. Mais c'est 120 rangs quand même, et c'est 120 grands rangs. Donc je me suis dit que elle, j'allais la sortir de la pioche, et que j'allais faire quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là, pour qu'elle avance, et je vais pas me dire de deadline, parce que je sais très bien que si je suis prise pour le test de pull en fingering, je vais la mettre de côté, etc., mais dans l'idée, j'aimerais vraiment qu'avant l'été, elle soit finie, quoi, histoire que je la lave cet été, je la range, et je la ressors l'hiver prochain, et j'en profite, quoi, parce que là vraiment, c'est pas la tricoter qui me dérange, même si c'est long, c'est de la voir traîner, le fait que du coup, comme elle traîne, le jacquard s'accroche, elle est tellement grosse que je la mets même pas dans un sac, ça rentrerait même pas, il faudrait un sac de course, enfin... Bref, bon, la Woodside Christmas Blanket, pour ceux qui n'étaient pas là depuis un an, je l'ai commencé il y a un an, un peu plus. C'est une couverture gratuite, tout en jacquard, sur le thème de Noël, que moi je fais dans des coloris pas de Noël, parce que je voulais que la couverture puisse être utilisée sur une période plus large que purement Noël, et comme mon canapé est rose, vous ne voyez rien, il n'y a pas perle en dessous là, mais voilà, il est rose clair. Je la fais dans les tonalités de rose violet, en charisma de drops, donc là, on peut voir où est la deuxième pelote, voilà, ça c'est ça mon truc aussi, il y a des pelotes qui traînent de partout dans cette couverture. Je la fais en charisma de drops, pour les coloris précis, vous irez voir sur ma fiche Ravelry, le lien de mon Ravelry est dans la barre d'infos, et je tricote ça en 4, je crois, oui c'est ça, 4, et je trouve que 4 c'est bien, la charisma en 4 c'est bien. Elle est préconisée dans un fil un tout petit peu plus grand, gros. Et donc, moi, comme je voulais vraiment une grande couverture, je me dis, quitte à me casser la tête à faire une couverture en jacquard, autant faire vraiment une belle grande couverture. J'ai rajouté un peu de largeur et j'ai rajouté de la hauteur. Là, clairement, si j'avais suivi le patron en hauteur, je serais rendue au niveau des côtes. Sauf que moi, j'ai rajouté toute une série de motifs parce que, voilà, je voulais vraiment une grande couverture. Limite, je pense qu'elle pourra presque faire couvre-lit sur mon lit, hein, une fois lavée et tout. Heureusement, la charisma, c'est pas du mérino, ça se détend pas de fou, mais voilà. C'est pour ça que je mets du temps aussi, parce que ceux qui ont suivi pile poil le patron, bah, ils ont, je pense, ça. Ouais, ça de moins en largeur, et ça de moins en hauteur. Donc, forcément, ça met du temps de tricot. D'ailleurs, Julie, si tu passes par là, tu devais pas la tricoter aussi, t'avais pas acheté le kit de chez West Yorkshire Spinners. Bref. Je t'attends. Donc, la Woodside Christmas Blanket, et la mienne fait quand même une taille déjà conséquente, hein. Je vous dis, j'en suis aux 3/4 de la couverture à peu près, donc voilà. Bon, je vais pas vous la montrer en entier, là elle est même pas dépliée en entier, hein, mais... Tadadam,
Le jacquard derrière, j'essaye de croiser les fils assez souvent. Parce que je ne veux pas me prendre dedans, je ne veux pas la doubler et je ne veux pas me prendre dedans. Bon, il y a un endroit où c'est raté, je vais vous montrer où. Et je rentrerai le fil tout simplement. Donc voilà, là. Bon, là, les fils qui pendent, c'est les fils de changement de pelote qui sont rentrés, mais que je couperai une fois lavé. J'essaye donc de croiser assez souvent. Et voyez, c'est là. Là, ça a tiré de fou. J'ai essayé de répartir un peu le fil, mais franchement, j'ai pas réussi à faire quelque chose de vraiment bien. Donc je rentrerai le fil tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, je ne veux pas la doubler. Hein. Je ne veux pas la doubler en tissu. Ça, c'est le genre de truc que moi, je ferais de manière complètement foireuse. C'est non. Et elle est déjà bien grande et bien large. Et donc, depuis la dernière fois que je vous l'avais montré, il y a assez longtemps, j'ai fait ça. Donc, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, vu la longueur de la bestiole. Donc, je vais monter le Progress Keeper. Et l'idée, ce serait quand même d'avancer un peu chaque semaine, je dirais, à un minima de... J'aimerais bien faire un minima de 10 rangs par semaine, quoi. Au moins, 10 rangs, ça fait 10 semaines, ça fait déjà énorme, ça fait 3 mois. Ouais, 15 rangs par semaine, ce serait pas mal. Mon Progress Keeper rouille vachement bien, ça, dis donc. La qualité du truc laisse à désirer. Enfin, rouille, s'oxyde plutôt, pas rouille. J'ai le nez qui coule, c'est très pénible. Voilà, donc elle... Eh bien, elle, ma foi, je vais tricoter encore dessus aujourd'hui avant de piocher un nouveau papier quand même. Et après, j'essaierai de faire un rang par-ci, un rang par-là. Et si je vous montre l'envers du décor, le voici, le voilà. Et ce qui est très bien avec cette couverture, c'est que j'ai appris à faire du jacquard en verre et à croiser les fils en jacquard en verre. Eh bien, croyez-moi, c'est pas évident de faire du jacquard en verre et de croiser les fils en jacquard en verre. Il m'a fallu un certain temps pour apprivoiser la chose, mais je trouve que franchement... je ne m'en sors pas si mal. Alors, je vais remettre la bête. Où est ma pelote de charisme? C'est ça aussi. Je passe mon temps à chercher les pelotes dans ce truc qui se perdent dans l'immensité de la couverture. En fait, ce qui commence à me saouler, c'est pas de la tricoter, c'est de la manipuler. Alors. Oh là là, mais c'est relou. Voilà. Alors, hop. 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 Voilà. Tac. Elle... Elle reviendra sur mes aiguilles tout à l'heure, je pense. C'est tout, je crois, pour le tricot. Oui, c'est tout. Et donc, je piocherai un nouveau papier avec vous quand j'ouvrirai la nouvelle vidéo. Je sais pas quand, demain peut-être. Ou aujourd'hui, si j'ai le courage, mais je pense pas l'ouvrir aujourd'hui. Demain, sans doute. Sans doute demain. Et pour finir cette vidéo, du coup, je voulais vous parler des patrons qui sont sortis et des vidéos que... que j'ai regardé. Alors, au niveau des patrons, il n'y en a qu'un. Il y a le Télesto Shawl de Audrey Borrego qui est sorti. Rappelez-vous, j'avais testé le t-shirt Télesto d'Audrey. Et en fait, bah, c'est le motif des épaules que l'on retrouve sur tout un châle. Pourquoi pas? L'idée est sympa. Et au niveau des vidéos, je suis toujours dans mon optique de regarder des gens que je mets dans ma liste à regarder plus tard depuis des siècles et que je ne regarde jamais. Donc, là, je me suis forcée à suivre dans l'ordre, ma liste à regarder plus tard. Donc il y a des gens que je n'ai pas encore regardés, que je voudrais regarder. J'espère que ça va venir, sauf si la pile se remplit à nouveau hyper vite, ce qui n'est pas... ce que je n'espère pas, parce que ça me frustre un peu de voir que, genre, Lissandre, je n'allais pas regarder sa vidéo de je sais plus quand, dimanche, samedi, et il y a plein d'autres trucs qui se sont empilés par-dessus, et je me dis, tant pis, tu regardes pas Lissandre, tu regarderas Lissandre quand t'arriveras à Lissandre, ce qui n'arrivera peut-être jamais, hein. Bref. Donc j'ai regardé Joyery, le podcast 11, c'est la première fois que je la regarde, je sais que c'est une copine de Azamtou, et j'ai passé un très très bon moment, c'était très sympa, l'écouter parler de ses projets et tout, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé pour la première fois aussi le vlog créatif numéro 1 de Wooly Melly, et c'était vachement sympa aussi. Une petite nana qui parle de crochet, principalement, bah non, uniquement en fait, de crochet. Je ne sais pas si elle fait que du crochet, ou si dans cet épisode-là, elle n'a parlé que de crochet, mais le fait est que c'était très sympa. Je passais un bon moment à regarder ses projets et tout, c'était chouette. Et j'ai regardé, peut-être pas pour la première fois, mais c'est pas souvent que je prends le temps de le faire, au fil d'Auruste, le vlog 34, donc Didier et Vincent,
Et c'était chouette, j'ai passé un bon moment. Ils parlent de leur manière de tricoter, de leur châle, de Stephen West, etc. C'était très sympa. Voilà. Mon but aussi, quand je vous partage tout ça, c'est de ne pas rester auto-centré sur moi-même et de vous partager un peu ce qu'il existe dans ce que moi je vois dans ma sphère tricot. Parce que je sais que ça peut vous donner des idées. Et il y a des gens qui méritent d'être regardés tout autant que moi et d'autres, en fait. Et donc voilà, c'est quand des gens ont un peu de notoriété, alors modeste, hein, l'autre de la notoriété comme la mienne, mais qu'on peut partager un peu les gens qui en ont moins, et du coup, parce que leur contenu n'est absolument pas moins qualitatif que le mien. C'est juste que, bah voilà, soit ils débutent, soit ils sont un peu moins réguliers, soit voilà. Mais ils méritent tout autant d'être connus parce que bah ils font des trucs tout aussi bien que les gens qui ont 10 000 vues sur chacune de leurs vidéos. Voilà, donc moi j'aime bien, vous le savez, partager, ne pas rester auto-centré sur moi-même. J'aime bien tricoter pour offrir, j'aime bien partager ce que je découvre, ce que je regarde, ce que je... Voilà, c'est pour moi c'est un pan extrêmement important bah, de ma créativité déjà, et puis des valeurs humaines, quoi. De pas rester auto-centré sur soi-même et ses petits projets tricot et son petit monde bien fermé, quoi. C'est un peu triste. Bref, voilà, je vous laisse. Ah, je voulais vous montrer un cadeau qu'on m'a fait. Eh ben tant pis, ce sera dans la prochaine vidéo parce que je ne l'ai pas pris là. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end, une très belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour papoter tricot et peut-être crochet si je pioche du crochet dans mon bol à crochet. À bientôt !